Salut, ça va? Et toi? Très bien. Alors, on est là pour quoi aujourd'hui déjà? Bah, un nouvel épisode du Cinéculte. C'est quoi le nom du film déjà? C'est une sable boulevard. Quoi? C'est une sable boulevard. Hein? Pour le boulevard du crépuscule. Ah, le film réalisé par Billy Wilder. Oui, en 1950. Ah, avec William Holden, Gloria Swanson et Eric Volkstrain. Ouais, c'est genre. Bon, alors, tu l'as trouvé comment? Un peu long? Ouais, ils sont bons aussi. Normal, c'est un horrible. Même. Les personnages, quand ils parlaient, je comprenais rien. Bah, c'est normal, c'est une VO sous-titrée. C'est pour ça que je comprenais rien. Oui. Passons au synopsis. Ouais. Alors, c'est l'histoire de Norma. Non, Julius. Non, Norma. Bon, les mecs, vous avez déjà vu un curly courir tout nu? Non. Regardez, là-bas, il y en a un qui court. Ah, ouais. Le synopsis, c'est l'histoire de Norma. Ou Gillis. L'un des deux, quoi. Alex, viens voir. Je suis là. Toi qui as vu le film, tu peux nous raconter? Ouais, bah c'est l'histoire de Joe Gillis, un scénariste en recherche d'inspiration, qui a des soucis financiers. Il va alors faire la rencontre de Norma Desmond, qui va lui proposer de remanier son scénario. C'est alors que le piège est tendu. Le film est sur Hollywood et ses références. Pour preuve, on y voit la Paramount et Cécile B2000. Il y a des similitudes entre les acteurs et les personnages. En effet, Max, joué par Eric Von Stryne, est réellement le réalisateur. Et Norma, Gloria, qui est elle aussi réellement une star du muet. Hey, vous nous avez pris pour des abrutis tous les deux. Ah, Curly, ça court pas. Ça vole. Maintenant que vous êtes là, vous allez pouvoir finir. D'accord. Alors ce film est vraiment très bien. La preuve, il était classé 12e sur les 100 meilleurs films de tous les temps. Le seul film, c'est un film noir, ce que seuls les Américains savent faire à Hollywood aux années 50.